va se parler entre filles. Là. La saison de hockey, c'est bien wow, c'est bien le fun, on tripe, hein, oui, on va regarder le hockey. Mais c'est aussi une gestion du calendrier social qui est un petit peu particulière. Ah, des capatières, raconte-t-elle tout mal! Là, je dis les filles, ça se peut qu'il y ait des gars qui perdent leur blonde à la saison de hockey, mais règle générale, là, les filles, on perd nos chums pendant quoi? 82 matchs, 7 mois à compter du mois d'octobre. Il y a aussi maintenant le guide édition 2014-2015 de la veuve de hockey. Si on veut négocier un peu un calendrier social avec le chum qui tripe sur le hockey, il y a différentes catégories. Bruins de Boston, Maple Leafs de Toronto, on oublie ça totalement, il n'y a aucune négociation possible. Alors, c'est 9 % de la saison, 7 occasions en tout et partout en 2014-2015. On parle de 4 week-ends, 3 samedis, 1 dimanche, 2 jeudis, et on compte aussi le match d'ouverture. Donc ça, c'est absolument totalement non négociable. Et la grande mauvaise nouvelle cette année, c'est que le samedi 14 février, il y a un match contre les Maple Leafs de Toronto. Fait qu'une fille avertie en vaut deux. Préparez peut-être un brunch de Saint-Valentin ou préparez-vous mentalement au fait que ça se peut que le souper, ça soit le vendredi ou le dimanche. The National Hockey League season is underway from Toronto. Alors, force majeure, il y a Avalanche du Colorado, Penguins de Pittsburgh, Blackhawks de Chicago, Capitals de Washington et on ajoute à ça les Flyers et le Lightning. Et là, attention! Parce que l'Avalanche du Colorado fait son entrée cette année dans cette catégorie-là. Vous n'avez pas la berlue si votre chum vous dit que c'est une force majeure. C'est l'Avalanche du Colorado avec Patrick Roy, Nathan MacKinnon, qui est un jeune prodige, deux anciens du Canadien, Daniel Brière, Alex Tanguay. C'est vrai quand il vous dit ça que c'est une force majeure. Alors, on parle de 23 % de la saison. 6 samedis, 2 vendredis, 2 jeudis. La bonne nouvelle, c'est que le Lightning de Tampa Bay, souvent, c'est des matchs de semaine poche, genre lundi, mardi. Fait qu'on sauve au moins de ça. Penguins de Pittsburgh, j'ai pas besoin de vous dire, c'est Sidney Crosby, ostinez-vous même pas, ça passera pas. Il y a place à négociation. Il y a même des matchs qui sont assez faciles à convaincre. Alors, Red Wings, Blues, Rangers et Ducks d'Anaheim, ça fait partie des « ça va coûter cher ». C'est 8 matchs en tout et partout. C'est 10 % de la saison. Pour les Rangers, c'est un samedi. Ensuite, on entre dans un territoire vraiment fort intéressant. Là, ça, c'est les équipes que vous allez apprendre à adorer. Les équipes moins aimées. Les Sharks, les Oilers, les Islanders, le Wild et les Stars de Dallas. Ça, là, ça veut dire possibilité de 5 samedis libérés pour la saison totale. Et si votre chum vous dit « non, c'est les Islanders, là, je peux pas manquer ça, chérie », vous allez lui répondre tout simplement « s'il n'y avait pas John Tavares dans cette équipe-là, on n'en parlerait même pas ». Et là, il va flasher, il va dire « ok, ouais, peut-être qu'elle a raison ». Ensuite, les Sharks de San Jose, c'est samedi le 21 mars, mais là, je mets un bémol vers la fin de la saison parce que des fois, bon, le classement fait que ça peut devenir un match important. Fait que je vous dirais qu'il faut rester ouvert d'esprit vers la fin de la saison. Dans la poche. Dans la poche, là, ça veut dire que si votre chum vous dit que ça, ce sont des matchs trop importants pour une sortie quelconque, c'est que vous avez une poignée dans le dos ou qu'il pense que vous ne suivez pas pendant toute le puck. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes, c'est ça qui est la bonne affaire. Devils, Panthers, Canucks, Flames de Calgary, les Blue Jackets de Columbus, les Hurricanes de la Caroline, Sabres de Buffalo, Jets, Sénateurs. Puis là, faites attention, vous dites les Sénateurs d'Ottawa, c'est pas loin, il y a une rivalité, certainement. Non. Sénateurs d'Ottawa, là, on s'en fout complètement. Ils sont en reconstruction. Anyway, ils sont pas importants. Et les Coyotes de Phoenix, oubliez-les. C'est comme si c'était même pas une équipe, les Coyotes de Phoenix. Fait que c'est 26 % des matchs qui sont exactement là-dedans. Et il y a 11 matchs entre le jeudi et le dimanche. Ah, des capatières! Des capatières! Raconte-t-elle tout mal! Des capatières, putain! La putain était pas... Cheers!